que la fondation est une vieille dame puisqu'elle a 143 ans mais pleine d'énergie. Nous avons posé une vision qui consiste à dire que le handicap n'est pas une charge pour la société mais une richesse. Et notre mot d'ordre ce soir, c'est de faire rencontrer la différence à nos invités, de leur montrer, de leur prouver par le spectacle qu'on va leur présenter que le handicap a toute sa place pour réconcilier la société avec elle-même, en faire un vecteur de lien social. Ben ouais, moi, j'ai pas le droit à la pyramide de Maslow, c'est la théorie. Une pauvre récitante comme moi, jamais elle atteint le sommet, serait créée. Avoir une vie sociale stimulante, c'est un rêve, une utopie. Le spectacle de ce soir a été monté intégralement par des équipes du Zonenhof, des éducateurs, avec certains usagers. L'objectif, c'est une comédie musicale de démontrer à quel point le lien social entre les personnes se fait à travers des personnes qui sont authentiques, qui sont vraies, qui n'ont pas d'autre enjeu que de montrer qui elles sont et de nous apprendre qui on est. C'est le chef Pascal Bastian du restaurant Le Cheval Blanc à Lembar qui a accepté de parrainer, de coacher, de former notre brigade et qui est présent ce soir. La soirée a pour but de lancer la recherche de fonds sur le social bar ouvert au public, évidemment, dans lequel nos usagers produiront des spectacles, un lieu de rencontre, un lieu où on peut boire un café, manger un morceau, pour rencontrer des personnes en situation de handicap et d'autres. Et le tout aura lieu sur notre site de Bichevillers.